Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Qui est chaud? Parce que sinon, je vais te poser les questions et je noterai le nombre de points que tu je, as. Tout je simplement. regarde notre chat, je vois qu'il y a Ishtaris, euh, possiblement. Ah, tu surveilles Ishtar, le si salmo. tu veux venir. Si vous voulez, quiz jeu vidéo. Il va falloir retrouver des personnages de jeux vidéo avec quelques explications plus ou moins simples et euh, donc très simples les règles. Donc une bonne réponse, un point. Et si en plus on me donne la saga de laquelle il est issu, un point supplémentaire. Donc deux points sont possibles à obtenir par question. Il y en a dix. Euh, ça m'a fait 3 pages de texte quand même, hein, puisque j'ai à peu près 5-6 lignes d'écriture par personnage. Donc j'ai bossé, je suis prêt, j'ai bossé, et, et les gars, vous ne voulez pas participer, je sais que Lowe a une réputation de gagnant <laughs> depuis le début, avec un, un, un 100% de défaite, mais quand même, vous pouvez venir tenter votre choix. De... Euh, la dernière défaite, franchement, euh, c'était à Elle devoir hein. Elle était à peu près... Euh, non, tu as perdu. Tu m'as un peu volé. Hein. Oui, mais si tu avais bien répondu, tu aurais gagné. Et ça, euh, je tenais à le... Euh, Sur la dernière question, ouais. <laughs> à le préciser. Euh... Bon, écoute, sinon, moi, je joue, le chat joue, et puis après, on compte. <laughs> voilà, bon. Et je compte jusqu'à 5. 5, c'est bon. Euh, premier, donc il y en a 10. Euh, c'est parti, alors c'est... Euh, je ne vais pas le faire en mode top, c'est une petite boule dont la couleur fait penser à un gros bonbon. Il se balade à travers les plaines et prairies en copiant tel Kakashi ou euh, du monde de Naruto les pouvoirs de ses ennemis. Ses antagonistes sont à la fois un roi fou, maniant un énorme maillet, et un clone d'eau lui-même, ailé et armé d'une épée. Je fais ma première apparition en 92 sur Game Boy, je suis... Je suis... Je Donkey suis... Kong. Alors... Euh des Kong. Aucun rapport, rien à voir. Un maillet. Euh, euh, L'ennemi, évidemment, on porte un maillet. Ah je tu as peine écouté, en fait. C'était eh commenté, là faut, Il faut réécouter. Si tu as moins un point, okay. tu pars avec une négative de ne pas m'écouter. <laughs> C'est une petite boule dont la couleur fait penser à un gros bonbon. Il se balade à travers les plaines et les prairies en copiant tel Kakashi de Naruto les pouvoirs de ses ennemis. Ses antagonistes sont à la fois un roi fou maniant, un antagoniste et ses ennemis. Hein. <laughs> je précise euh, un roi fou maniant un énorme maillet et un, une sorte de clone de lui-même ailé et armé d'une épée et je fais ouais, la première t'ai déjà dit euh, moi Nintendo j'y connais rien donc euh, j'imagine que ça a aucune ça doit être, en jeu vidéo euh, ça doit être euh, comment s'appelle ce truc mignon là, euh, aucune idée je alors je vois la réponse ce que est, mais... est Kirby ouais voilà Kirby de la saga Kirby <laughs> Ouais. Là. Bon, eh bien, nous avons ça m'en touche une sans bouger l'autre, hein, comme un rond, c'est comme ne pas dire de dire qui est Zidane et de dire je ne connais pas. Euh, tristesse. Deuxième personnage. J'ai une passion pour l'archéologie, mais je ne passe pas ma vie dans les musées. Je passe de temple en temple, de liane en liane, tel Tarzan, mais je ne suis pas Chita ou Chita. Tantôt pointu, mes attributs ont fait trembler et tomber amoureux plus d'un geek devant sa télé. J'ai fait ah, la première partie. Je cherche des personnages, mon gars. Je fais ma première apparition sur PlayStation en 96. Je suis euh, 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 Comment elle s'appelle euh, Oui, euh, ben le celle de Tomb Raider. Hein. Voilà. Lara Croft. Très bien. Donc tu as trouvé aussi la saga. Donc ça te fait deux points. Parce que un point pour le personnage. Alors, faut dire que un point pour le personnage et un point pour la saga. Troisième personnage. Ah, J'ai oublié ce détail. D'accord. Eh oui, mais c'est d'abord le personnage que je cherche. Euh, ma peau est d'une blancheur à faire pâlir euh, Colgate. Euh, le rouge symbolise ma rage, mais je ne suis pas blessé. Je me bats nuit et jour pour mon honneur et ma gloire. Je n'ai peur de rien, ni de personne, et surtout pas des dieux. Je fais ma première apparition sur PS2 en 2005. Qui suis-je un, un grec qui joue. Pour offert, je J'ai rien compris. Oh, il est sourd. Il est sourd Il est sourd, cet homme, c'est le grand âge. Ma <laughs> peau est d'une blancheur à faire pâlir Colgate. Le rouge. Symbolise ma rage, mais je ne suis pas blessé. Je me bats nuit et jour pour mon honneur et ma gloire. Je n'ai peur de rien ni personne et surtout pas des dieux. Je fais ma première apparition sur PS2 en 2005. Qui suis-je Aha Aucune idée. Oh là là, est-ce que le chat a une idée Je vois Greg qui avait trouvé tout à l'heure pour. Euh... Euh, pour euh... blanc, rouge, euh, PS2. Euh... Ah, tu peux voir si ça fonctionne bien, du coup, euh, mon son fonctionne bien sur, euh, sur le stream, histoire s'il n'y a pas de bug au passage. Oui, oui très bien, très bien. Ah, très bien, très bien. Alors attention, je laisse encore 3 secondes. 3, 2, 1, et il s'agissait de Kratos de God of War. Ah bon Ah oui, la peau blanche, ouais, peut-être un peu, ouais. Ah là là, là là, je lui mets les grands classiques sous les yeux, il ne trouve rien, le pauvre Lozero, le j'ai pourtant fait, et il affronte les dieux, il y en a qu'un, enfin qu'un, un grand. Oh, si tu savais combien il y a de jeux vidéo où on affronte des dieux. Ah bah c'est le plus emblématique en tout cas. Jeu numéro 4, euh, je me balade H24 en peignoir ou pyjama blanc au choix, mon meilleur ami est un blondinet millionnaire qui lui passe sa vie en rouge, je passe euh, moi ma vie dans les rues à me battre, mais je ne sais pas pourquoi, je suis le grand maître du karaté. J'ai fait ma première apparition sur bande d'arcade en 1987. Mais Facile. Tu veux un personnage, donc c'est Ken ou Ryu je Choisis Attends, le, est, le, il est rouge Je pas balade, compris en bon. fait. Ah, je parle <laughs> à un vieux monsieur. Je me balade H24 en en pyjama blanc. Blanc euh, C'est Ken. Et bien perdu, euh, France première raison, c'était Ryu. Ah bah, voilà. Voilà. Et, et tu as la saga Très content. Bah oui, Street Fighter. Bah allez, je te donne un point. <laughs> Très content, bien adoré. <laughs> oh là, là là là, rien ne va plus, bras à chevaux. Euh, mon cher François, dans le chat, tu as trouvé 5. Notre personnage est policier. Euh, dans la vie, en tout cas il appartient aux forces de l'ordre, est-elle euh, Rick de la série The Walking Dead Et avec une coupe un petit peu à la Justin Bieber, il fait tomber non pas les filles mais les zombies comme des mouches. Son prénom rappelle un petit peu un film de Luc Besson. Il fait sa première apparition sur PlayStation en 98. Qui est-il Aha Un jeu où il y a un flic qui tabasse des zombies en 98 Peut dire ça, si tu connais les films de Luc Besson, peut-être qu'il y en a un qui te fait penser au prénom de la personne. Ah, à ah, Léon, Léon, du coup, et du coup, c'est euh, c'est euh, biohazard, c'est à dire en français. Euh... <laughs> Après, j'ai pas le nom complet du personnage, hein. il manque son nom de famille quand même. Ah, ah. mais Léon est ah. bien son prénom. Oui, euh, Léon euh, Léon, c'est quoi son nom de famille je un, je président. Je un président, je peux t'aider. Un président Non, je vais pas trouver un. Hein. Je sais qu'il a un Léon dans euh, donc dans, dans Putain, mais eh te... euh, Biohazard, un... c'est quoi le nom en français <laughs> Le mec qui fonctionne à l'envers. Alors, quel est le nom Biohazard, ce jeu de zombies que tout le monde connaît, le jeu référence Bon, je te donne quand même le point, tu as le nom japonais, j'attendais Resident Evil, mais tu as... Ah, Resident Evil, voilà. Donc je te donne un point pour ça, et je te donne un demi-point pour le prénom, c'était Léon Kennedy. Eh ben, j'ai euh, jamais su. Léon voilà. Scott Kennedy, euh, euh, ça vous voyez, Léon.S, c'est Léon Scott Kennedy, voilà, tu as 0,5 puisque tu avais trouvé le prénom. Sixième, tout de noir vêtu, en tout cas, tout de noir, tout court. Et fonçant à la vitesse de la lumière, il affronte notre héros bleu préféré, icône d'un constructeur mort il y a longtemps. <laughs> il ne pense qu'à lui ou presque, il fait sa première apparition sur Dreamcast en 2001. Alors ça c'est Night et la série c'est Sonic. Alors euh, tu as la bonne série, tu n'as pas le bon personnage, je te laisse une dernière et une autre chance. Knuckles. Euh, tout de noir, vêtu. Ah de fond... noir, vêtu tout de noir tout de noir composé dans si Sonic préfères. il y a un mec noir oui ok <laughs> c'est <Donc c> <laughs> oui. un méchant on est bien d'accord alors un méchant on va dire que c'est un Vegeta dans Dragon Ball c'est à dire que c'est un méchant mais bon comprends tu euh, Dark Sonic là, je sais pas comment il s'appelle ouais je sais pas euh... c'est le Sonic euh, le Sonic noir il s'agit de Shadow Ouais, bah voilà, je sais plus. Okay. Mais bon, déjà, t'as bien reconnu. C'est pas mal. On en est des points si c'est bon, on y est. Septième. On est pas mal, on avance. Je suis un, un jeune afro-américain vêtu d'un Marcel Blanc. Lorsque le joueur prend mon contrôle, euh, je me retrouve dans une royale accompagnée d'un vélo. Mon but est de retrouver mon quartier et mes amis passés, dont certains ne le resteront peut-être pas, mes amis. Euh, je fais ma première impression sur PS2 en 2004. Et je suis contre les drogues dures. Voilà. Aucune idée. <laughs> un afro-américain sur un vélo en, sur PS2. Oui, enfin, le vélo passe quand on est dessus. Hein. Il fait pas que du vélo. <laughs> on n'est pas sur euh, des jeux de skate ou autre, ou de BMX. Je répète, je suis un jeune afro-américain vêtu d'un Marcel blanc. En tout cas, tout ce que je raconte, c'est pour le début du jeu. Et lorsque le joueur prend contrôle de ma personne, je me retrouve dans une ruelle accompagnée d'un vélo. Mon but est de retrouver mon quartier et mes amis passés dont certains ne le resteront pas longtemps. J'ai fait mon apparition sur PS2 en 2004 et il y en a beaucoup qui attendent toujours sur PC. À chaque fois. Aucune idée. Alors, euh, donc, on a Greg qui avait donné une bonne chose. donc on peut, Je vais parler de Carl Johnson CJ dans GTA San Andreas. Qui est, un des se qui est le seul que j'ai pas fait, je pense. C'est con, c'est le meilleur. <laughs> c'est dommage. Bah voilà. Bah voilà, tu sais ce qui te, manque, tu sais ce qui te reste bah, à faire. moi j'y joue sur PC, mais non, mais il est sorti sur PC, son Andreas. Ah oui, je sais, non, mais en général, c'est les, les, les GTA sortent toujours plus longtemps après sur PC, donc c'est pour ça que je dis, à chaque fois on les attend sur PC, parce qu'ils sortent toujours sur console en premier. Euh, ouais, c'est plus vrai, ben, ces derniers temps, c'est plus trop vrai. Mais si c'est vrai, le GTA 5 c'était un an entre les deux peut-être. Ouais, mais les tous ils sont sortis là GTA Sandra, San c'était un an après, c'est souvent un an après les GTA. Mmh. Mais voilà, donc euh, on parlait de CJ, Carl Johnson. Euh, suivant 8 euh, mon job à moi, c'est la guerre et j'opère dans les squads alpha, bêta. Est-ce que ce serait peut-être pas delta je ne tire pas sur des humains, mais sur des, je vais donner un indice un peu fort, des locustes, rien que le nom, ça me file des frissons, mon prénom, rappelle, un célèbre animateur de Game One. J'ai fait ma première apparition sur Xbox 360 en 2006. Ouais, c'est Halo Euh non Ah, c'est Gears of War, pardon. Alors, tu as la saga, c'est pas mal. Gears of War, et tu veux quoi le personnage bah, comme ce qui est depuis le début, il oublie les règles en cours de route, mon cher Locus. Mais il y en a plein, ils sont plusieurs en fait. Oui, mais on va dire qu'à chaque fois je cherche le personnage principal, le global, souvent. Souvent le personnage principal quand même. Mon job à moi c'est la guerre et j'opère dans les squads du coup. Delta, je te donne l'indice, je ne tire pas sur les humains sur les locustes, tu as trouvé mon nom, mon prénom. Rappel, un célèbre animateur de Game One. Ex. Normalement. Oui, je crois. Marcus. Ah, tu as le prénom. Mais... Ah, mais Marcus, comment Oh là, Oui, euh, il y a un Marcus dans Gears, en effet. Je sais pas ouais. comment il s'appelle. C'est le personnage principal, mais c'est pas grave. Marcus mes Marcus, non, Marcus Phoenix. Ah, j'étais pas loin avec mes couilles. Hein. <laughs> le personnage principal, sauf qu'elle, elle ne renaît pas quand elle brûle. Euh, question suivante. En tout cas, je, je, je ne pense pas. D'aveum sur dix. Euh, je suis un mécanicien de l'espace. C'est mon seul souhait de quitter ma planète natale. Mon meilleur ami euh, n'est pas comme les autres. Il s'agit d'un petit robot. Et sinon, euh, moi, je suis une sorte de chat jaune. Je ressemble presque à Pikachu. Enfin, en tout cas, à deux trois détails près. J'ai fait ma première apparition sur PS2 en 2002. Je suis qui euh, Aucune idée. <laughs> tu, tu le sens que tous les jeux PS2, je vais te dire aucune idée euh... Ouais. <laughs> oh là là... Oh là là, il est passé à côté de sa jeunesse, ce pauvre. Euh... J'ai jamais eu de PS2. Oh bah ben c'est dommage. J'ai même jamais eu de PlayStation pour aller plus loin. Moi, j'ai jamais eu la PlayStation, non. Moi, j'ai eu la PS2 et PS3. J'ai eu toutes, okay. toutes les Xbox, par contre. Ah, t'as eu les moins bonnes, c'est dommage. <laughs> bah oui, écoute. <laughs> il y a, deux y a deux écoles, hein. Non, moi, j'ai toujours alterné. Alors, je rappelle, un mécanicien de l'espace, c'est mon seul souhait de quitter ma planète. Mon meilleur ami n'est n'est autre qu'un petit robot. Sinon, moi, j'ai une sorte de chasse jaune. En tout cas, de loin, je ressemble presque à un Pikachu. Euh, deux, trois détails près. J'ai fait ma première apparition sur PS2 en 2002. Et euh, le nom du personnage est dans le titre du jeu en partie. Je veux... Aucune idée. Aucune info. Il s'agissait de Ratchet de Ratchet et Clank. Et D'ailleurs, j'aurais pu dire que Squeezie a doublé. Euh, 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 j'ai été doublé par Squeezie. On serait peut-être été trop simple. Euh, avec cette info ou pas pour toi Non, pas du tout. Euh, ouais, carrément rien, pas. Rien ne va plus. Et dernière question, euh, on retourne chez Nintendo, hein. malheureusement pour toi, parce qu'on l'avait mmh. quitté. Euh... Mais bon. Donc moi, une de mes consignes, c'était surtout euh, du jeu PC. Ouais, mais il y a des héros au moins moitié, au moins quasiment pas des héros connus PC quoi. Euh, J'ai fait le tour, j'en ai pas ouais, trouvé consoles, beaucoup console. Euh, déjà Nintendo, euh, aucune. PS aucune, donc voilà quoi. Ouais, mais l'eau il, hein. il veut des héros de jeux vidéo PC connus, mais bah ouais, bah j'ai pas trouvé. <laughs> ai pas trouvé beaucoup en tout cas. Euh, dernière, dernière, dernière. Euh, toute ma vie, euh, euh, tout, euh, toute ma vie, le monde m'a pris pour un homme. Je récolte de l'argent à travers l'espace. j'affronte régulièrement les pirates de l'espace vêtus de mon armure. Déjà ça, je fait ma première apparition ouais. sur Famicom en 86 ou sur NES en 87. Je suis. Samus. Et la saga Ah, euh, la saga... Euh, merde, comment ça s'appelle C'est content. Euh, Samus trouver. dans... Euh... Putain, comment ça s'appelle D'ailleurs, dans... tu n'as pas le nom complet, mais je vais te donner le point quand même. C'est Samus Aran. Euh, ah oui, et... je n'aurais jamais trouvé. Ah, pourtant, c'est marqué, mais quoi, évidemment, tu n'as pas joué à Metroid. Alors... Non. Eh ben voilà, je te l'ai donné trop tard. Tu ne l'aurais pas trouvé, je pense. Peut-être. Peut Mais troïd non, je n'aurais pas, pas retourné. Alors, comptons les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et demi. 10 et demi, on n'est on, on pas trop mal. Sur 20 points. Donc, tu as plus de eh ben, J'ai plus de la moyenne, donc je pense que j'ai gagné, vu que le chat n'a donné que 3 réponses. Le chat est mort euh, avant... Euh, du coup, pour une fois, j'ai gagné. Avant la fin, je me suis embêté à faire des phrases, des intonations, des recherches. J'ai passé 3 heures. Pour un monsieur qui ne connaît pas la moitié d'une culture geek, c'est honteux. Faudra revoir bah, ça. Ouais, écoute, on n'a pas la même. Écoute, euh, non, mais bon, à part faire, ne passe pas en euh, au rattrapage. Rattrapage <laughs> culture, culture jeux vidéo, euh, avant de passer en, en classe euh, secondaire. Mon cher, mon cher le Zéro. Bon, et eh bien voilà pour le pour le petit quiz où tu as affronté ton ombre. C'est beau. Oui. La semaine prochaine, j'affronterai moi-même Nono euh, sur euh, toi qui nous racontera mal des films. Ça va être drôle. Voilà. On va faire ça.